Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Cinézoom. Durant les vacances, vous avez le choix du fantastique grand spectacle avec le 7ème fils et ses sorcières et ses monstres du cinéma comme Jeff Bridges. De la comédie à voir en famille qui a pour sujet la famille, elle se nomme Bélier et François Damien et Karine Viard enfoncent le clou avec leur humour. Pour les petits, les pingouins de Madagascar, un spin-off super drôle de Madagascar, bien sûr, dernier né des studios DreamWorks. Il l'avait dit, I'll be back. Il a tenu parole, il revient, Arnold Terminator Schwarzenegger, dans un nouvel opus de la saga qui sortira au mois de juillet prochain, on a déjà les images. Encore un film adapté d'une série de romans, des romans que peut-être vous avez découvert en France sous un autre nom, L'Épouvanteur. Mais la prod a choisi un autre titre, Le Septième Fils, c'est de l'héroïque fantasy à l'état pur. Bienvenue dans un monde de magie et de légendes. Pour mettre fin aux agissements d'une reine maléfique, un épouvanteur va prendre sous son aile un jeune apprenti doté d'incroyables pouvoirs. Il est le septième fils d'un septième fils. Apprenez-moi. Tu vis dans un monde nouveau où les légendes et les cauchemars sont réels. Le diable est à nos portes. Les signes du mal sont omniprésents. Votre reine est de retour. De retour, en effet, on retrouve 16 ans après The Big Lebowski, deux monstres sacrés du cinéma américain ensemble, Jeff Bridges et Julianne Moore, qui décidément aiment le cinéma fantastique. On a vu le premier dans The Giver. Julianne, elle, était au casting du dernier Hunger Games, ou encore Carrie. Et les rôles de femmes dérangées, apparemment, elle aime. Mon pouvoir se renforce. Ma souveraine ! Le monde humain s'effondrera. Si tu vois une sorcière, tue-la. Nous ne sommes pas tout aussi pernicieuses. L'obscurité est en toi. Je ne suis pas comme vous. Toi et moi serons maîtres de ce monde. C'est votre plus importante épreuve. Rejoins-nous. Fais-moi voir ce que tu es! Le septième fils, c'est la sensation d'Heroic Fantasy de ces fêtes de fin d'année et ça sort cette semaine. Là aussi, c'est un couple qui se reforme. Après rien à déclarer de Danny Boone, François Damien et Karine Viard sont de nouveau mari et femme dans la famille Bélier. Une famille un peu particulière, jamais un mot plus haut que l'autre, normal, ils sont tous sourds, sauf leur traductrice. Pardon, leur fille. La mycose de ta mère s'est étendue. Est-ce que ton père aimait la crème que j'ai prescrite ? Mon nom. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi ? Je vais t'en faire une bonne prêlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh, 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 oh ! Bref, la fille se sent seule, mais elle trouvera sa voix. Peut-être pas le vrai de vrai, la chevelure de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris ? C'est l'école qui est à Paris. S'organiser, la ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Je sais ce que ça représente. Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûre que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. La jeune Louane Emera n'a pas eu besoin d'apprendre le chant, elle est chanteuse à la base. Elle est même arrivée en demi-finale d'une célèbre émission de télé. Quant à Karine Viard et François Damiens, ils ont pris des cours intensifs de langage des signes durant 5 mois à raison de 4 heures par jour pour être au point dans cette comédie signée Eric Lartigot, avec également Eric Elmosnino au casting et en prof de chant assez caustique. La famille Bélier enfonce tout cette semaine en salle, un coup de cœur, vraiment. Je vole. Vingt ans après, les revoilà, Dumb and Dumber. Toujours potes, toujours aussi déjantés. Non, la seule chose qui est vraiment changée avec Lloyd et Harry, c'est l'annonce d'une paternité. Harry est papa, alors il emmène son copain Lloyd sur les routes afin de retrouver cette fille qu'il n'a pas connue. Et en avant pour des situations débiles et autres cocasseries routières. Attends une minute, ne me dis pas que ça fait 20 ans que tu te fous de ma gueule. Depuis 20 ans, c'était une blague. Ouais. Mais c'est
C'est du génie. Oh, c'est... Tu me rentres pour que les infirmières m'enlèvent la sonde urinaire, s'il te plaît. On n'a pas besoin des infirmières. Non, mais il faut que tu... Ils ont hésité longtemps, très longtemps, mais au final, Jim Carrey et Jeff Daniels ont accepté de tourner une suite à ce film qui est devenu culte aux États-Unis. Je parle du premier opus. C'était sans compter sur le pouvoir de conviction des réalisateurs, les frères Farrelly, les spécialistes du film comico-absurde aux États-Unis. Et le pire, c'est qu'ils assument totalement. Not afraid to go for the joke. Les gongres de la commande de sanglement. What? What was that? Whether you laugh at everything or half of it, we're gonna get you. Our word is our bond. James Bond. You really have a problem if you're miserable watching Dumb and Dumber. Vous voulez que votre cerveau souffle un peu? Bah c'est le film idéal et ça tombe bien, il sort cette semaine en salle. Un spin-off, c'est quoi? C'est prendre un ou plusieurs personnages d'un film ou d'une série connue et d'en faire les héros d'une autre production. En français, on dirait que c'est un dérivé. Eh bien, ça tombe bien. Vous vous souvenez des pingouins de Madagascar? Ils apparaissaient dans les 3 numéros de Madagascar. Eh bien, ils ont leur film à eux, maintenant. Ah ouais, j'oubliais, ils sont espions à la base, mais ils ont de la concurrence pour arrêter les méchants. On a un fou visqueux en première ligne. C'est moi qui donne les ordres ici. Je t'avais dit de leur mettre les menottes. Mais ils ont pas de mains, ils ont que des nageoires. Et moi j'ai que des nageoires aussi, alors on nage en plein délire. Quand le monde est en danger... Poursuivez-les. Allez go les petits gars, on fait comme à Cuba. Venise, Rio de Janeiro, Düsseldorf. Nous avons atterri dans le centre de Dublin en Irlande. On se fond dans le décor. Salsa Celtic. Les héros, on a besoin de personne, deviennent des légendes. Les pingouins sont la chair de nos plumes. Si quelqu'un doit nous sauver, ce sera nous. C'est le film de Noël par excellence, mis en image par les studios DreamWorks qui n'ont plus rien à prouver en matière d'humour et d'animation. À voir absolument. Et après les enfants, on s'adresse maintenant à ceux qui étaient enfants il y a quelques dizaines d'années. Benoît Bricefer faisait un tabac dans les cours d'école dans les années 60, grâce tout d'abord au journal de Spirou et ensuite grâce à ses albums dessinés par Peyo, le papa des Schtroumpfs. Et Benoît Bricefer et les Taxis Rouges, ce sont ses toutes premières aventures au cinéma. Et vous connaissez les super pouvoirs de Benoît? Non, bah il est un peu différent comme garçon. Je suis fort, très très fort. Mais il faut surtout pas que je m'enrhume, sinon je perds toute ma force. Pareil. Vous avez aperçu Gérard Jugnot et avec son copain Benoît Bricefer, il part en guerre contre Jean Reno alias Poilonnet qui, sous couvert d'une compagnie de taxis rouges, veut mettre à sac la petite ville où vit Benoît Bricefer et les taxis rouges. C'est en salle en ce moment. C'est un peu notre cadeau de Noël à nous. Le 1er juillet sortira sur les écrans un autre numéro de Terminator avec LE Terminator originel qui a dit qu'il reviendrait. Il tient toujours ses promesses. Il s'appelle Arnold Schwarzenegger. Je reviendrai. Quoi ? Allez, c'est tout pour cette semaine. Encore joyeux Noël à tous et n'oubliez pas, prenez un ticket et allez au ciné. Vous verrez, ça vaut le coup. Ciao !